Les règles du Battle Royale en 10 secondes. Plusieurs joueurs sont parachutés dans un environnement inconnu où sont dissimulés des armes diverses et quelques véhicules. Ils vont alors devoir rapidement trouver de quoi se défendre pour agresser les autres joueurs. Le dernier en vie gagne la partie. Afin de forcer les affrontements, le terrain de jeu se rétrécit à mesure que le temps s'écoule. C'est la Blue Zone. Si un joueur n'est pas dans cette zone, il perdra des points de vie. Oui, je tremble. Je tremble. Je tremble de peur. Mais après, ouais, on peut faire la game, genre on farm, on reste dans une maison et on attend. Voilà. On bat les couilles le véhicule, je le prends. Mais après, voilà, on essaie de prendre des risques. Là, on n'a même pas pris de risque, en plus, c'est le pire. On n'a même pas pris de risque, on était en train de farmer tranquillement et Dragoon est... Bah après, ouais, voilà, on essaye de limiter la casse en se disant, bon, si on rase le mur, mais je rappelle on qu'il a reste... 50% de chance de ne pas se faire tirer dessus, enfin, on a 100% de chance de pas se faire tirer dessus. Ouais, mais si le mec est du côté du bon mur, bah t'es mort, parce voilà. Que contre le mur, tu peux rien c'est faire. C'est passé. Non, Shazda, c'est de la merde. Pas à deux, moi j'ai déjà joué... H1Z1, ça a rien à voir avec... H1Z1, ouais, là, bah là, tu peux courir à découvert. Hein. Mais c'est les stratégies, c'est un peu merdique sur H1Z1. C'est marrant à jouer, tu vois, hein, mais... tu prends une voiture, tu fermes ton stuff... J'aime pas le système de tir et tout dedans, t'as même pas de FPS, rien. C'est... Si, t'as une vue FPS. Ouais, mais bon. Tu prends un fusil à pompe, t'as gagné la game. Un fusil à pompe, une voiture. Un sniper. Sniper, t'as gagné la game. C'est assez facile de gagner hein, les games hein, sur H1Z1. Bah, c'est vrai que dans ce jeu-là, sniper, c'est pas pour autant que tu vas gagner. Hein. Hey. Ah, il y a un véhicule qui va à Merkez. T'es où toi? Franchement, je fais plus souvent des top 2 sur H1Z1 que sur le. C'est tellement facile sur H1Z1. Ouais, viens me chercher. Il y a du monde. Hein. Putain, je peux pas ouvrir la porte. Pourquoi il veut pas ouvrir la porte ce con? Je suis sur la route là. Ouais, j'ai vu, je repars en arrière. Bon, y a plus... c'est la chance de pouvoir tomber en premier sur le mec et tout, mais après, pas forcément non, mais après, quand t'es en fight. Après, il y a beaucoup de chance, c'est-à-dire que ça dépend, où oui, mais ça dépend où t'es largué, ça dépend du stuff, ça dépend où t'es largué, il y a quand même une grosse part de chance dans l'arme. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime bien. Voilà, on n'a pas de chance, il y a des quand jeux. Quand t'as un mec qui a 300 mètres, que tu tires, bah faut avoir une... faut bien connaître les mécaniques du jeu et compagnie. Oui, quand t'as duel, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse part de chance, comme hier par exemple, on a trouvé 3 Katiba en première oui. Badipant, voilà. Ah oui, attends. Je suis là, ok. Putain, tu m'as fait peur. Attends, je ramasse le kit de son, j'arrive. Moi, je fais demi-tour. C'est bon, c'est tout, j'arrive, je sors de la maison. Bon, il y a un autre véhicule comme ça en ville. Hein, qui... Ouais, non. Alors là, on va te dire. Alors là, Duncater, on va te dire parce que hier, hors stream, on a looté deux caisses. On a looté une caisse sniper en fin de game et on s'est fait démonter. Ah mais à chaque fois qu'on loot des caisses, les trois quarts du temps, on... Non, ça dépend. Franchement, ça dépend. La ah, dernière fois. Régulièrement quand même, en général, de pas avoir de chance. Quand et t'es, de défoncer, quand t'es pas, quand, c'est vrai que quand t'es pas là, généralement, avec Grump et tout, on loot des caisses, on arrive à gagner la game avec les batteuses et tout. On a looté une première caisse, on s'est fait défoncer. On avait la caisse sniper, mais il y a un mec qui est arrivé hors zone qui nous a tués. Et la deuxième caisse, c'était des armes de merde qu'il y avait. Enfin, c'est des 762, mais c'est vraiment les pires armes du jeu. Enfin, des caisses. Et on s'est fait tuer. On s'est fait tuer sur la caisse. Donc tu vois, c'est pas tout le temps le cas en fait en caisse. On va sûrement se faire tirer dessus. Après, là, c'est sûr qu'avoir c'est la caisse, ça donne l'avantage. Oui. En plus, ils vont tirer. Ils sont à gauche. Vas-y, trace. J'ai vu la voiture à l'arrière. Trace. Je ralentis pour pas me planter parce que voilà. Ouais, hein, les lags et tout. Arrête-toi, je sais pas où, à droite là, qu'on fasse le grand bâtiment. Arrête-toi à un moment. Là. Ah, ici? Vas-y, descends. J'ai niveau 2 si tu veux là. Ah, tu veux le mettre dans le garage ou quoi? Tu veux faire quoi? Non. Je le cache un peu quoi. Ah, oui. Oh, pfff. Je veux pas qu'il soit dans la rue principale, je veux pas qu'on se le fasse chouraf quoi. En plus, il y a une mini grenade. Ah, merde, tu aurais dû la prendre ça. Oublie pas que t'en as une dans la poche, hein, une mini grenade. Ouais, t'inquiète. De toute façon, j'ai que ça là, donc mon gars, je vais pas l'oublier. Mais ouais, la chance fait partie intégrante du jeu. H1Z1, c'est moins de chance. Parce que des loots, on trouve tout le temps partout. Donc c'est 5. Quand même plus de skill, H1Z1, entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que le jeu est un peu bourrant et tout, mais c'est quand même plus de skill sur H1Z1. Bon, j'ai évité de looter les maisons qui sont en bordure de...
Après, je dis pas qu'il faut pas de skill pour jouer à H1Z1, hein, mais c'est pas si, la juste... même skill. C'est... Si, si, c'est justement, c'est quand même plus le. C'est l'IM. Ah, justement, c'est ce que je dis. Je dis, c'est pas, je dis pas qu'il y a pas de besoin, enfin, il faut pas de skill pour gagner sur H1Z1, mais c'est pas le même skill parce que sur. Ah oui, c'est pas le même skill. Sur celui-ci, il y a un skill aussi à avoir qui est différent. Le fait de devoir viser vachement plus haut quand le mec il est loin, etc. Pour à la porte. Si, c'est bon. Ça joue beaucoup ça. Ah oui, mais sur H1Z1, il faut quand même lever le viseur quand les mecs sont loin. Mais la balistique elle est complètement différente. Hein. Ah, mais bon, là quand t'es à 400 mètres, tu dois prendre en compte 400 mètres, remise à zéro. Ok, je tire là, merde, ça touche pas, je dois lever un peu plus le viseur. Ok, je touche. Après, tu dois prendre en compte le fait que la balle arrive pas direct. Oui, t'as une remise à zéro parce que par exemple sur H1Z1, le sniper t'as pas de remise à zéro. Hein. Tu tires. Quand tu te fais tirer dessus au sniper, t'entends. T'es mort. Et t'entends. Prouf, juste après. Oui, y a plusieurs. Hein. Voilà, y a plein de mécaniques. Sont propres à Arma quoi. C'est différent, mais je préfère largement. J'ai deux grenades, deux grenades. J'ai une terre, j'ai 21 fifou, c'est bon, je fais la game. Hein. Surtout que c'est quand même assez facile d'être d'être bien classé hein, sur H1Z1. Je sais pas si vous jouez à H1Z1 vous, mais. Non, même pas en plus, hein, Nomu, hein. On n'est pas forcément. Confiant, hein. Bien au contraire, on loot, on se casse direct. Quoi. Et justement, ce qui s'est passé hier avec la caisse, avec la caisse sniper, sincèrement, on est tombé sur un gars qui était complètement, c'était une machine le gars. On avait looté les, moi je regardais justement derrière que ça nous arrive pas dessus. Et le mec est arrivé complètement sur le côté et on l'a, je vais mettre en tenue de plongée, comme ça tu me reconnaîtras. Hop, je mets en tenue de plongée. Et le gars nous a tous. On a même pas pu le voir en fait. Il nous a tué tous les deux quand. Enfin, c'était fini quoi. On a même pas pu réagir. Il a géré le gars. T'as casque niveau combien? 4? Et après, après tu vois, c'est. Non, 2. 2-2. Ah, il y en a un 3 ici. Et après, le délire, c'est que en plus, hier, quand on a loot la caisse, la deuxième caisse, avec les SA, je sais plus quoi, là, les fusils d'assaut, on était sur la caisse qu'on se faisait déjà tirer dessus en fait. Donc on a pris le risque d'aller. Après c'est encore une fois on prend des risques, hein, c'est le but du jeu, hein. Si tu prends pas de risque, la caisse, des fois on a réussi à la looter, des fois on réussit pas à la looter, bon bah tant pis quoi. L'autre jour quand on avait les. J'ai un casque niveau 5, c'est bon. L'autre jour quand on a ramassé les bateaux, tu vois, on a gagné la game, bon bah on aurait pu. Il y avait des mecs sur la caisse, on les a délogés et ça s'est bien passé, tu vois. Mais. Par genre de MX. Donc c'est ça aussi le délire. Après pour l'instant t'as vu on fait pas des games justement, on fait les malins, on fait les foufou comme hier, on courait partout là, hier on courait partout. J'ai une paire de jumelles. Mais en guerrière. Hein. Ouais. Hier on faisait les foufou quand Dragon il a fait ses 8 kills, c'est là où on faisait les. On courait en plein milieu de la blue zone quoi. Bon c'était pas volontaire non plus, hein. Ça a retrouvé ouais, en plein milieu de la blue zone finalement. Bon là la blue zone est à côté Dragon. Donc c'est pas trop mal. Déjà on aura pas trop à courir après la blue zone. Allez, là c'est la game. Là je me prends une cartouche. Tu sais que j'ai une XM8 de merde. Hein. Je crois que j'ai un niveau 1 ou 2. 2. J'aurais bien trouvé un. Ah, il y a un bâtiment militaire ici, je sais même pas. Ouais, ouais. Un bâtiment, non mais un bâtiment pareil, double étage. Hein. Les bâtiments, oui, tu rentres dedans. Un bâtiment militaire, ouais. Un bâtiment où tu rentres dedans. J'aime bien cette phrase. Non, mais oui, enfin. un bâtiment militaire, c'est des bâtiments militaires, t'as des box et puis t'as les. Ouais. Ah, j'ai un masque à gaz avec ma. Oh, elle est stylée ma tenue. J'ai une tenue de plongée avec un masque à gaz. Attends, y'a quoi? Y'a un gilet. Non, c'est quoi un gilet de merde? Un gilet police, ça sera déjà mieux. Moins voyant. De place. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la strat. Hein. Tu prends une voiture. Attends, je vais changer de casque, même si ça sert à rien. T'as un casque niveau 5 toi? Ouais. Ah, non, c'est tu prends une voiture de police, un sniper et t'as gagné quoi. Sexy en latex. Et en plus sur H1Z1 t'as pas forcément spécialement d'avoir besoin de skill hein, pour viser, pour tirer sur des gars. Franchement, moi j'y joue quasiment jamais à H1Z1, à chaque fois que je fais des games, je fais des top dans les ouais, top 2, top 3, je sais pas c'est quoi, top 10, je sais plus ce que j'ai comme. Ah, je finis bien quoi, sur 160 joueurs. Je crois que je suis platine, un truc comme ça sur H1Z1. Donc, et genre, j'ai dû faire.
15 games à peine. Allez, un petit gilet niveau 3, oh, s'il te plaît, Dieu. Quoi? Pas du lui. Pourquoi j'ai tiré dessus? Ah. C'était pas toi. Y'a un mec, hein. Ah ouais, non, c'est... Tire. Oui, y'a un mec, mais j'ai tiré comme un... Je sais pas. J'ai fait de la merde, là. Là, je vous avoue que... Il était où? Je vais t'indiquer où il était. Il était ici. Par contre, là, je l'ai bien attiré, quoi. Alors maintenant, je suis dans la merde. Là, j'ai fait de la merde. Là, vous pouvez me traiter. Ah bah, je suis encore loin, moi. Je sais pas pourquoi j'ai... Mon cerveau, il a fait nawak, là. J'ai vu le gars, j'ai pas tiré. Puis après, j'ai fait... Ah, c'est pas Dragoon. Bah, j'ai tiré, mais il est déjà parti, en fait. Par contre, je reviens vers toi, parce que... J'ai niveau 3, nickel. Ah, ouais, si t'en trouves un deuxième, dis-le moi. En plus, j'ai une XM8, donc c'est la pire arme du jeu. Ah, la MK20, ouais, tu vois, en plus, c'est vrai que je suis sur le chat. Là, je fais de la merde, je suis d'accord avec vous. J'aurais pu prendre la MK20, je l'ai pas prise, alors que j'ai une XM8. Après, MK20, chaque fois que je la prends, à part l'autre jour sur Altis, on l'a gagné. 3 minutes, ah oui, déjà. Putain. Et go. Moi, bon, je pense qu'il revenait à sa voiture, le gars. La blouse, on est dedans, tu m'as dit? Non, on est pas dedans, on est à côté, mais on est pas dedans. À côté. On va devoir bouger, je finis un bâtiment et on se casse. Mini grenade, est-ce que t'as un ARCO ou pas? Non, j'ai un aimpoint. Je te le prends alors. Je te donnerai une grenade, j'en ai 3. T'as un pas de gilet niveau 3, fichier. 3 grenades à main. Allez, je retourne au véhicule, hein, fiou. Ah ouais, pas le choix parce qu'on a un véhicule qui se traîne. Après, je sais pas, on va aller dans la blue zone. Salut à tous, salut Dadjo, salut. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas être à la bourre, quoi. Faites bien, pour une fois. La voiture, je sais même plus. Ah si, elle est là à côté du stade. Oh, ouais, t'as coupé, toi là. Tu veux plonger, tu peux pas me rater. Ouais. Vas-y, roule. Ouais, j'aime la tenue. En plus, là, j'ai le masque à gaz sur la bouche. Hein? Non, parce qu'il me dit j'ai une tenue SM sur le chat. Par contre, tu veux... On va où dans la blue zone sale délire? Bah, je te... Vas-y, je suis des indications. Gauche, droite? Non, tout droit. Droite. On va se retirer dessus, mon pote, avec ça. On roule à deux à l'heure. Regarde! On a les pires véhicules du monde! Tu veux faire quoi? Oh, y'en a un en haut, si tu veux, y'a une hatchback. Non, on change pas là, on trace. Le plus qu'à prier, c'est tout. Pfff, tristesse. Putain, je sais pas où on va aller. Hein. Regarde dans l'inventaire s'il y a pas un gilet niveau 3, tiens. Non, y'a rien. Oh là là, je sais pas du tout où on va aller, hein, vraiment. Si je suis, on va aller, vas-y, roule sur la route. Droite, gauche. Non, à gauche, vas-y. Là au chantier, tu tourneras à gauche, la route de gauche. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Là, je t'avoue, je suis pas du tout en confiance, hein, mais alors, pas du tout. Oh putain. Sortie de piste. Ah oui, on a vu ça. Il y a eu un petit... C'est ça de fumer au volant, ça tourne à gauche. Faut que je t'ai pas vu avec ta clope à la bouche là, regarde. Bon, le problème c'est que moi je devrais pas monter comme ça à côté de toi, je devrais monter derrière. Parce que les mecs ils ont tendance à tirer sur la gauche du véhicule en pensant que le volant est à gauche. Donc c'est moi qui prends tout. Tu vas voir, on va s'arrêter à côté des mecs, tu vas voir, c'est sûr. Tout à l'heure on va s'arrêter et on va se faire tirer dessus. T'arrêtes pas là. Là, c'est la résidence, t'arrêtes pas. Oui. T'es à fond là? Ouais. Oh putain, la tristesse. Je suis en VMAX là. Putain, on va se faire plomber le cul. On est à 100 et là, tourne à gauche, va, la intersection là, la roue là. Coupe à direct là, tu peux couper à gauche. C'est une bonne idée avec ce véhicule, regarde. On a perdu 20 km/h. Mais j'avoue, non, mais c'est. 30 km/h. C'est infâme.
Attends, c'est un tout terrain. Hein. Et puis tourne à droite là dans le chemin là. Puis va tout droit là. Vas-y. Vas-y, Rato, il y a des murets là. Allez hop, c'est bon, Rato. J'espère qu'il y a personne ici. Hein. Je me suis mis dans un endroit, mec, Nomad's Land. Voilà, on est en fond de map. Donc là, dites pas qu'on est. J'ai de la greu-greu pour toi. Ah, de la grenade, bon. Ouais, bouge pas, je vais mettre ça dans ton sac. Hop. Et t'as un ARC ou c'est un filet? Ouais. Tiens, j'ai une grenade pour toi. Et un ARCO. T'as combien de kits de soins? 1. 4. Ah bah j'en ai 5. Attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bon, impeccable. Et encore, je monte. Kit, je jure. Franchement, je me demande si je vais pas jouer avec la aimpoint. Je suis tellement plus pressé que la aimpoint. Ouais, je vais rester là, la RCO. On va rester comme ça. Combien non? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai 7 kits de soins. Parce qu'il faut en 5,56. Oui, j'en ai 7, Sergent. C'était 8 dettes, on va pas être dedans. Ah si, on est dedans. On est dedans. Voilà, donc là on la joue safe, les gars. Là on peut pas jouer plus safe que ça. Hein. On fait pas les ouf, on court pas partout. On est protégé. Enfin, protégé, on est derrière un truc en béton. Je vous avoue qu'après les 3 dernières games, on va éviter de faire les malins. On va la jouer vraiment safe, hein, celle-là. Je suis désolé. Bon, il y aura sans doute de l'action à un moment. Hein. Mais ça fout les boules quand tu fais quand même un stream et que. Et que tu te fais voilà, tu fais des 3 parties de merde en plus. Hein. C'est pas genre une qui était moyenne ou quoi, c'est 3 parties de merde. On a même pas eu le temps d'essayer de spot des mecs et tout comme on fait d'habitude, c'est se poser, regarder autour, voir un mec, lui tirer dessus. Ouais, même pas. En fait, on a même pas été à la. Moi j'ai pas été sur les trucs. Merde. Merci. Alors on la joue ultra safe, hein, comme je le disais bien sûr. La discrétion, hein, bien évidemment, de la part de Dragon. Allez, t'as pur. Et c'est. Non, mais moi, tu sais que moi, là, je viens de faire la meilleure partie du stream. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas atteint la blue zone une seule fois. Oh, il y a les carrés. Il y a les carrés qui sont là. Tu veux faire quoi, eux? Ils m'énervent. C'est pire que les Yakuza, eux. Team Jim Carré, là. Eux, ils sont vraiment vénères. Eux, c'est vraiment une grosse équipe. Ils sont au-dessus des Yakuza. Ils sont au-dessus des districts. A plus, Fran Jewel. Plus. Donc voilà, alors, dit, hein, on est déjà tombé sur des mecs. Ah, véhicule devant nous qui arrive sur nous. Attends, arrête, ne. Je tire pas. Hein. Il arrive sur nous. Bah, parce qu'on va se les faire fouiller. Ils sont devant nous de 20 mètres là, tu vois. Je vois la fumée, je vois pas le voiture. Ah oui, si, ils sont sortis. T'as une grenade. Pourquoi ouais, la grenade, lancer. Je l'ai pas. Je peux pas lancer la grenade. Attends, je l'ai. Lance la grenade, hein. Ah, tu lances. Il repart vers la grenade, nickel. GG. Deuxième grenade. Pourquoi la grenade, il veut pas me la prendre? Oh, pile dessus. Regarde. Au revoir. T'as tué. Ils sont morts? Non, il y en a un deuxième. Je peux pas prendre la grenade? Muret. Ah, mais je peux pas prendre la grenade. Hein. Chier. Pourquoi c'est bugué la grenade là? Voilà, c'est bon, j'ai la grenade à main. Il est à la voiture ou pas? Non, il est à gauche au niveau des murets, droit devant moi dans la direction, je regarde. Derrière la buisson en fait. Je le vois pas. Ah, GG. Voilà. Ok. Allez, bim. Toi, c'est fait. Attends, ok. Vas-y, loot-les, je te couvre, on sait jamais. Donc, les deux sont morts l'un à côté de l'autre? Ouais, ils sont morts à côté. Ah, il était là, ok. Le deuxième. J'ai balancé la grenade vers le mec, il est parti vers la gauche, je lui ai tiré dessus, il est parti vers la grenade, c'est con. Casque niveau 5 si tu veux. J'en ai un. C'est gilet. Ah, mais ils ont planté la voiture en fait. C'est niveau 3. Ah non, niveau 1, merde, c'est niveau 1 ça. Ah, ils ont planté, je crois, le véhicule. Mais c'est ouf comme quoi les mecs ils sont venus ici quoi. Et le Tortue Ninja il est où? Ah, GG Dragon. Il est où le Tortue Ninja que j'ai tué là, la grenade? Ah, il est là. Même pas un Tortue Ninja. Mais ils avaient pas de stuff en fait. Par contre, ils avaient quoi comme arme? Parce que s'ils ont un meilleur 5,56 que la. MK20 silencieuse, mec, MK20 silencieuse. Je ah ouais, bah vas-y. Une grenade. Oh, il avait une grenade dans ses mains. Bah, je la prends. Silencieux M16 M4 si tu veux. Ah, non, bah non, j'ai. Si, prends-le le silencieux parce que j'ai pas la.
T'as une paire de jumelles, toi? Ouais, ouais. Allez, c'est bon. Hop. Bon, j'ai encore ma mini grenade du coup. Moi, j'en ai encore une. Hop, tiens, fifou. Mais c'est vrai que, en fait, faut qu'on avance, hein, faut qu'on avance. Oui, faut qu'on avance. Attends, 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 non, mais. Ah. Je vais te donner ton truc. Ah, pose-le par terre, c'est tellement plus rapide. Moi, je préfère. C'était quoi qu'il fallait que je te donne? Je sais pas. Silencieux, M4. Silencieux, M4, tiens, voilà, hop. C'est tellement plus rapide à partir, je trouve. C'est comme ça, je le ramasse quand je veux. Oh oui, là, elle a fait 2 kills supplémentaires, là. Ah, ah ouais, mais franchement, c'est magnifique. J'ai balancé la greu. Le mec, en fait, il avait pas vu la greu, hein. Mais il est parti à gauche. Ah, tu la vois pas, la greu. Je lui ai tiré dessus avant. Je lui ai retiré dessus. Là, il est reparti à droite. Et il a été, mais il est reparti pile sur la grenade, quoi. Il a dû être dégoûté, le mec. Franchement, moi, j'aurais rangé. Je vais recharger, j'ai 22 chargeurs. Alors, j'en ai mais 10, c'est vrai 19. Que moi, les grenades, c'est bien de les envoyer en début de fight, en fait. Ouais, j'en ai encore une, de toute façon. T'en as encore une, toi? Oui, oui, bah je l'ai pas lancé. Ouais, bah voilà, j'ai récupéré sur le cadavre. Moi. On est tellement à découvert, il y a un véhicule là-bas à droite. Ouais, c'est sur un pop, ça. Il y a de la caillasse devant. Il y a les rochers à gauche, hein, surtout. Oui, mais là, bon, là, ça me dérange pas qu'ils fassent du kill parce que vu les games qu'on a fait de merde avant, là, il fallait les faire les kills, quoi. Ah, je t'avoue. Les mecs qui s'arrêtaient à côté de nous, on devait pas les laisser, hein. Ah oui, non, mais de toute façon, il fallait les tuer. Mais c'est juste que moi, en fait, quand t'as engagé, moi, je les voyais pas, en fait. J'ai juste vu descendre du camion, après, je les voyais plus. Ouais, bah, moi, j'ai juste vu le véhicule, je les voyais plus au début, et après, je les ai vu partir à gauche. Donc là, j'ai engage, quoi. Regarde notre bac, surtout parce que. Ouais, la TRG, j'avoue. Stuff parfait pour Dragon. Ah ouais, non mais la TRG-21 elle est monstrueuse, cette arme. Je sais pas si c'est moi en fait qui écologiquement joue mieux avec la TRG ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle est violente pour une 5.56. Après peut-être ouais que tu t'y habitues à l'arme et Peut-être ouais. Parce que là tu vois, ça me dérangerait pas que Dragoon il fasse 8 kills, tu vois, là ça me dérangerait pas du tout. Bon, si je pouvais faire un ou deux kills, ça pourrait être bien parce que je me les fais voler à chaque fois. Mais ça nous arrangerait, tu vois, pour le stream et pour moi-même. Pas se mentir. Hein. On a fait la meilleure game du voilà, stream. Voilà, t'as été GI niveau 3 et tout, c'est bon. Non, j'ai pas GI niveau 3. Non, ah oui, merde. Bah, c'était un gilet olive en fait, lui. On a l'impression que c'était un GI niveau 3 qu'il avait. Allez, 16 to go. Mais les mecs, ils ont eu la même idée que nous, les pauvres. Là, tu vois, c'est pas nous qui nous sommes arrêtés à côté de joueurs, c'est eux qui se sont arrêtés à côté de joueurs. Ouais, mais pas de chance, hein. Franchement, la map elle est immense, les mecs se sont arrêtés à côté de nous, quoi. Ah, ils sont morts, les carrés. Je crois qu'ils sont morts, apparemment. Ouais. Ils sont plus dans la liste des joueurs. C'est eux que je tue, de toute façon. Je pense pas, hein. On serait déjà mort, hein, je te le dis, hein. Tu serais déjà mort. Hein. Non. Le Steam Fifou. Ouais, fin. On parle des carrés. On est bien là, on est bien. Vous savez, ça va shrink officiellement. Oui. Non, oui. Si, okay. Oui. Ça tire plein ouest, hein. Alors, on est loin, on est loin. Oh, elle est très loin même. T'as une paire de jumelles? Côté en plus, alors. Non. Ah, t'aurais pu la ramasser sur les cadavres, hein, parce que. Ils en avaient. Ah oui, merde. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Pas grave, hein. À gauche, il y a une ville, ça me perturbe là, j'aime pas ça. Par contre, après, j'ai le ventre qui garde, oui, j'ai mangé un petit truc là, j'ai des Daily Shock après, hein. Voilà. On peut pas tenir la. Sponsorisé by Daily Shock. À deux. Tu peux pas me donner une des deux lunettes là pour. Pour courir, ouais, non. Des merdes. Tu ramasses les grenades, je ramasse les jumelles. Par contre, là on arrive dans des. J'étais persuadé que j'en avais en fait, j'en ai tout le temps. Par contre, je sais pas comment. On arrive dans des ultra dangereuses là. Hein. Ouais, bah y'a la ville en plus à gauche alors. Prendre le flingue.
putain, mais y en a rien pour se cacher. Tu vois, donc là, je veux bien qu'on se mette à couvert, tu vois, mais y a rien pour se mettre à couvert, là, en l'occurrence. Par exemple, là. Oh putain, 60 secondes, 230 mètres. Oui, c'est bon, c'est 200 mètres par seconde. Y a un cadavre à gauche, là. Un bleu. Je crois que c'est un mec qui a pas ouvert son parachute. Vu la taille du sac. Ouais. Et c'est ici qu'ils ont été droppés, donc. Ça pue la mort, là. Rallye. Et bien c'est que les mecs avancent en parallèle s'ils sont à la même distance que nous. Là-bas, il y a plein de véhicules là-bas. Tiens, ça a fighté sur la montagne de l'autre côté à gauche. En ouest. Le gaffe, la maison en face. Oui. Ah, il y a un cadavre. Ouais, mais ça, c'est un. Ça a roulé à côté de Third. RAS, RAS dans la maison. Par contre, on va se cacher où à la maison ou... Il y a des rochers, je vais me mettre au rocher. Plein de maisons ouvertes hein, ici. C'est toi qui es le long de la maison là? Ah ouais. Ah oui. Ok, je suis à droite au rocher. Je check vite fait que ça ne tombe pas dessus par derrière. Ouais, est-ce que c'est derrière que ça me fait peur là? Y'a un mec dans la maison. Non. Moi je suis en tenue plongée, il est dans la maison, je l'ai vu aussi. T'es pas dedans toi hein. Tu peux pas avancer de grenade là par la fenêtre, non? Non, ça va pas la. Non. Je l'ai vu aussi bouger dedans la maison. Ouais, il va ressortir. Hein. Il va ressortir. Tu quel côté la maison? Par l'arrière. T'es à droite, ok, je suis à gauche. Hein. C'est bon, il est mort, je l'ai eu. GG. Et là par la fenêtre. Il s'est reculé vers la fenêtre. Ouais, il a reculé. GG. Je vais clear la zone, attention, je vais passer devant la fenêtre. Oui. Ah, là c'est du teamplay, c'est ça qu'on veut. C'est GG. Ferme les portes, hein. Ah, je visais la fenêtre, hein. J'entendais tirer, je me dis, il va peut-être reculer. Il y a deux mecs en fait. Regarde la porte, que ça arrive pas par la porte, je vais loot les mecs. La porte, je la vois pas, moi, je vois que la porte de derrière. La porte de derrière, justement. La porte de derrière, pas la porte de devant. De derrière ou de devant, je sais pas en fait qui. Il y a une des portes qui est ouverte. Vas-y, après, s'il y a des G niveau 3, dis-le moi. Bah, il y a des portes qui sont ouvertes. Fais gaffe, hein. Attends. Ferme toutes les portes. Non, c'est pas la bonne porte que j'ai fermée en fait, pour ça. S'ils ont des G niveau 3, dis-le moi. Parce que je me soigne d'abord. Et non, ils ont pas. Je vais vérifier votre cadavre, mais je crois pas qu'ils sont des G niveau 3. Ouais, je me disais bien, je voyais un mec dedans. Ah, moi je l'ai vu bouger, tu m'as dit, il y a un mec, j'ai regardé, j'ai vu, il est passé par la fenêtre. Non, de toute façon, j'étais pas du tout à côté de toi. Ouais, oh, bah, on va ils bouger. Rien, franchement, ils avaient rien. On a pas de chance, parce que j'aurais bien voulu looter 2-3 trucs. Il avait quoi? Non, gilet modulable. Ouais, non, mais ça fait de la merde. On a 150 mètres, donc je pars pas tout de suite. Hein. De toute façon, je te dis, hein, tenue de plongée, si tu vois pas un mec en tenue de plongée, tu tires. Ah, mais j'ai vu un truc noir. Ouais, t'as vu une ombre. Donc pour moi du noir c'était justement toi et j'ai préféré demander pour le coup. Sinon j'aurais pas hésité. Tu pensais qu'il allait tuer parce que ça tirait pas mal quand même. Je sais pas s'il a touché ou pas mais. Non, il a pas touché. Je l'ai bien touché hein. Bah tu lui as tiré beaucoup de balles toi ou pas pour la non une rafale, mais il est tombé. Ah, donc, ouais, en plus il y avait la fenêtre à... ça j'ai pété la fenêtre en même temps donc il avait plus beaucoup de vie je pense. Bon ça va avancer parce que j'ai 200 mètres à faire. Je vais arrêter au caillasse. Oui, mais fais gaffe parce que les maisons. Elles sont dedans les caillasses là? Là, non, pas encore. Il y a des grands cailloux là-bas. Là, il y a des caillasses en face, oui, là-bas, ouais. Ah oui, ça tourne à gauche. Presque au nord, 340, la grande maison double étage là, qui est en diagonale là. Juste après la petite. Il y a un mec. La grande maison. Et il traverse, il va, au gros, il va vers les rochers. Véhicule. Bah, il va vers les rochers, le mec. Hein. Faut qu'on y aille. Il va nous baiser. Il est au rocher. Il est au bambou après les rochers. Ah, il est au bambou après les rochers. Ouais, je les ai vus. Faut qu'on y aille. Et retaille par maison. Ouais, bah il faut qu'on y aille en. Ah oui, ils sont deux. Faut qu'on aille. Ils vont nous voir, j'espère qu'ils vont pas nous voir. Faut qu'on aille jusqu'à la maison. Faut qu'on aille derrière les rochers, on sera safe. Hein. Ah oui, par là. Il m'a vu. Il m'a vu, il va me tirer dessus. C'est bon, je suis dans son angle mort. Il m'a vu, hein. Il sait qu'on est derrière la maison. Fais gaffe si tu veux. Fais gaffe, hein. Il nous décalait là, ouais. Fais gaffe au bambou parce que. Ouais, je les ai vus. Putain, je peux pas t'aider là.
Tu t'engages alors je peux pas t'aider. Ah mais bon, je tente le coup. Oh, est-ce qu'il m'a mis? What the fuck? Il me l'a mise, hein. Je suis en zone, faut que j'avance. Faut que je me soigne. Il m'a collé une sacrée rafale, hein. Je chante la grenade d'ici ou pas? Allez, je chante la grenade. Ah, t'es trop long, là, je pense. Trop beaucoup. Ouais, juste au rocher, ça a tapé. Je leur ai mis des sacrées cartouches. Ouais, moi aussi, mais. Je veux rocher, hein. Ah ouais. Grenade. Non. Ah non, c'est pas une grenade. Je peux rusher, c'est bon. Ça nous arrive à droite derrière. Attention, derrière nous là, en plein est. Il court le long de la colline là. Warzone, hein. Je sais pas. Fais gaffe. C'est pas hors zone ça. Au moins. Vas-y, vas-y, regarde les mecs de la. De la. Je regarde le mec qui t'a tiré dessus. Regarde les mecs du bambou là. On va devoir move. Hein. Je vois pas, hein, ce bâtard. Ils vont sortir des bambous à la dernière seconde. Eux. Ouais, faut pas y aller maintenant. On va devoir partir vers le mec à droite. Viens, on part vers le mec à droite là-bas. À droite? Attends, on je me suis. Les cailloux là-bas. Bah, faut aller vers le mec de toute façon. Quasiment vers le chantier en fait. Ah oui. On a rien pour se cacher aussi. Hop, je vais les mecs des bambous ils vont nous tirer dessus. Hein. Ah mais je bouge. Pas le choix. Cover me par le mec ouais, du en haut là. Mais il bouge pas le gars, il chie dans son froc. Mec bambou, y'a personne pour le moment. Je pense qu'ils ont dû bouger quand j'aurais mis des cartouches là, ils ont bougé à mon avis. Hein. Surtout qu'ils t'ont pas tué alors. J'ai avancé hein, Fifou. Oui, je suis avancé aussi vers toi. Oh la caisse, putain sur les mecs des bambous. Hein. Le Zamak. Hein. C'est bien, on est. Ah, il court le long. Regarde, regarde là-haut à gauche. C'est pas le même, hein. Ah, ouais. C'est pas le même. Je crois qu'il y a toujours le mec allongé, hein. Derrière le. Fais gaffe, hein. Sûr. Oui, oui. Ah, je l'ai pas vu partir, moi. Depuis tout à l'heure, je check le. Oh, il y a un sniper, hein. Il y a un sniper. Ouais. Il y a toujours l'autre en fleur derrière, hein. Sur notre droite, hein. Je pense qu'il est toujours là, hein. À moins qu'il soit passé quand je regardais pas, mais. T'as vu où est-ce que je suis, fou? Oui, oui, je suis derrière toi. Mais l'autre en fleur, il nous check, hein. Viens, on va se mettre en contre. Il y a un contrebas là, je vais mettre en contrebas. On va devoir se mettre dans le chantier, hein. Moi j'ai pas le choix. Voilà, c'est tendu. Hein. Il y a un putain de snipe. Tout go. Et la mallette qui se casse la gueule, génial. Il fait tirer dessus. Je sais pas où est-ce que c'est à gauche, je crois. Hein. Ouais, c'est le mec de la colline. Et où? Je sais pas. C'est de la colline, c'est de la colline. Ouais, il rigole zéro lui. Hein. Pas grave, il est pur pour nous, c'est bien. Il me tirait de la, du haut de la colline. Je pense que c'est le mec qu'on a vu, tu sais, sur la. C'est dans la blouse, non? Non, pas tout à fait. Je cours. Je m'enlève. C'est de checker pour toi, mais je vois pas les mecs. Ah, je l'ai vu. Il est où? Il est hors zone? Il est à gauche là-bas, la montagne. Oh, il m'a mis une carte, bon, il est mort. GG. Je vais aller dans le bâtiment, attention. Là, pour moi. J'ai plus de vie. Il y a toujours le mec du de sniper qui va nous rotate à fond. Vas-y, on va dans le bâtiment. Hein. Putain, c'est chaud, là. Je vais tirer dessus, mais je sais pas si je l'ai touché. Qui est ouverte, là, hein. Fais gaffe, hein. Ouais, bah, écoute... Pas le choix. Je ripack mes munitions. Je ripack mes munitions. Parce que là, ça peut être dans n'importe quel recoin là. Et moi, le mec au sniper, il me fait flipper. Hein. Quand il va jouer le Warzone. Faudrait qu'il tombe. Hein. Serait tranquille. Ça va en shrink. Après, on se le fera à deux. Hein. Si jamais, si on est deux, on. Oui, oui. On court tous les deux à gauche, à droite. On oui, oui, bah oui, il faut pas qu'on soit ensemble, mais. Non, pas de choix. Putain, il faut vraiment que je mange. Je me kill. Je crois que j'ai vu des. Il me repeint qu'il a un coup parce que. Merde. Mais non, Dragon. Non, 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 non. Putain, j'ai ripack, c'est pas ce que je voulais faire. On est à côté, on est à côté. Le hangar est dedans, je crois. Même, non? Ouais, ouais, il est dedans. Enfin, le hangar, non. Mais il y a un morceau. Par contre, faut que je regarde notre cul. Dedans, ouais. Putain. Tu peux regarder. T'es encore dans le hangar, là?
Il faut que tu checkes un peu autour, en dehors, parce que moi je peux pas regarder tout. Surtout à droite du hangar, en fait, je peux pas regarder. Si ça vient de la colline, là. Ouais, fais gaffe. Je regarde à gauche. C'est sûr, il y a déjà des mecs qui sont planqués déjà en. Je vois personne à droite. Moi. En tout cas, il y en avait un. Il y en avait un, le mec qu'on a vu en haut là courir. Et sur la montagne, de l'autre côté, à mon avis, près de la route, il doit être. S'ils vont nous... ils vont faire tout le tour, hein, les mecs. Hein. D'avancer un peu dans le chantier là. J'essaie de check voir s'il n'y a pas un mec qui essaie de nous rotate, mais. J'ai un bon visu où je suis là, hein, fou. T'es dans la blue zone toi? Ah oui, t'es bien, ouais, ah oui, t'es bien placé. Et là, si ça peut arriver à gauche, ça peut arriver. Ouais, mais je check là comme il faut. Moi, je rentre pas tout de suite dans la zone, comme ça je couvre tes arrières. Ça tire, fais gaffe. Ça tire dessus? Non. C'est en face, dans le chantier en face là. Fais derrière. Ok. Oh, top 3! Mais y'en a plus qu'un! Mais il est mort le mec du sniper! C'est. Là, il est en face le dernier, je le vois dans le chantier normalement. Enfin, je vois, j'ai entendu tirer. Mec! Mais. Il est mort à quel moment le mec du sniper du. Il vient de se faire tuer là, je crois. Non, c'était pas le même. Bon bah, il est dans le chantier. Il avait peut-être plus de balles, hein, Pifou, hein. Il a pas beaucoup de chargeurs, hein. Il en a tiré des balles. Mais le chantier n'est pas dedans en fait, hein. Il va être obligé d'être devant nous. Hein. Ouais, ouais. Vas-y, je vais à gauche. Comme ça, je le décale. Je sais pas si moi je peux tirer par-dessus. Non, fais gaffe, prends pas de risque. Hein. Monte pas ta tête. Non, mais si jamais je le vois. Ah, je le vois. Il a, tu vois, il y a les trucs pétés en bas. Vu. Il est là. Attends, je vais me. Bouge pas, ne fais rien. Il était à droite, hein, des trucs pétés, tu sais, en bas là. Oui, je le vois. Ouais, je l'ai vu. Je vois pas là. Il est à droite, hein. Vas-y, je vais bait. Non, on est dans la blue zone. Il va être obligé de venir à nous. Laisse-le. Je vais jeter... Après, je peux lui jeter une grenade. Je peux jeter une grenade. Ou j'attends. Je passe à droite. Attends. Il t'as changé hors zone déjà ou pas? Fais gaffe, oui, il va pas hors zone. Hein. Ok. Pour ça, reste ici. Le mec, je lui jette une grenade à la fin et c'est gagné. Ou je la jette. Est-ce que je la jette? Il est à gauche, il est au conteneur. Je jette la grenade. J'ai jeté la grenade au conteneur. Il est au conteneur. Oui, regarde. Voilà, bim, grenade. Allez, au revoir. Chut. Allez, bim. Winner avec combien? 5 kills? 6 kills? Je sais pas, j'en ai fait 2, t'en as fait 3. 3, 4, ouais. Voilà! Je suis l'invincible! Nous sommes l'invincible. Nous sommes l'invincible. Et la grenade pour faire finir la game, c'est bien ça. Bien. Mec, il avait un gilet niveau. Il avait pas de protection! Il avait pas de protection, le gars! Allez, chasse rouge, je l'ai même pas tué à la grenade. Regarde! Il avait pas de gilet! Le mec a fini la game top 2 sans gilet.